Aujourd'hui, je reçois Thomas Malarbé et Igor Ferland pour une discussion libre autour de la composition. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis Thomas Malarbé, je travaille la musique depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé un peu plus tard que ce que l'on dit habituellement, de ce qui devrait être. J'essaye d'agir dans la musique, essayer de proposer des choses utiles, aussi bien au niveau du travail d'écriture que du travail d'analyse et du travail d'interprétation au travers d'une action que j'appelle chambriste, c'est-à-dire construire des conditions pour que l'interprète ne se sente plus celui qui est subordonné à la baguette, mais celui qui est permis à l'expression. Moi, je suis Igor Ferland. Je suis violoniste intermittent et professeur de violon. Je suis arrivé à Paris il y a quelques années afin de consacrer ma vie au concert. Alors, la première question va être assez simple et on va discuter de ça. C'est est-ce que la création musicale doit nécessairement s'inscrire dans une tendance d'écriture pour espérer la reconnaissance ou non ? Est-ce que, en tant que compositeur, tu te sens obligé d'écrire un petit peu de la manière d'aujourd'hui ou... Déjà, je ne me sens pas compositeur. Ouais. Parce que je me pose quand même toujours la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire composer, quel est le point d'entrée dans cette matière. Est-ce que c'est une matière? Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est une posture? Peut-être que c'est un ensemble de ça, mais je crois que pour que ça soit une pratique qui se veut inventive, il faut qu'elle reste sous forme de questions, et puis ensuite on a des outils, que ça soit la géométrie, le langage lui-même musical, le système tonal, la série. Voilà. Est-ce que tes réflexions sont dépendantes justement d'un système? Elles sont dépendantes de la volonté de s'en éloigner, en fait. D'accord, c'est intéressant. Tu vois, quand je faisais quelques études, en cours d'écriture, on disait « il faut écrire à la manière de ». Et ouais, je trouve pas ça inintéressant, comme ça, pour comprendre techniquement comment ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a une confusion entre technique au sens institutionnel, c'est-à-dire une possibilité reproductive de quelque chose, et une quête inventive par rapport à une quête inventive qui serait que on construit une intimité avec une œuvre, que ça soit une œuvre au sens strict, mais une œuvre au sens de l'œuvre d'un homme, c'est-à-dire une certaine façon d'écouter pour pouvoir en faire quelque chose, mais non pas le reproduire, mais pour le transformer en faire autre chose. Mmh. Voilà. Donc il faut se démarquer un petit peu. C'est pas se démarquer pour se démarquer, oui, c'est essayer d'agir en essayant d'être pas trop agi. Quand on écoute beaucoup les choses promotionnelles, je trouve que les gens parlent beaucoup d'eux-mêmes et parlent beaucoup de non pas de ce qui appartient à ce qu'il y a de commun, mais de ce qui appartient à soi-même. Et ouais. Ils parlent beaucoup de ce qu'ils font, mais pas de ce qu'ils sont. C'est ça. Oui. Voilà, ça. Voilà, il y a des modes et tout ça, et voilà, je cherche pas à m'en exclure, mais je préfère essayer de participer à quelque chose plutôt que de à la fois essayer d'être un spécialiste qui s'enferme dans lui-même ou un produit commercial qui se retrouve cellophané dans ses idées. Ah ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est le cas d'Alma Dutcher, par exemple. Je ne sais pas si tu connais cette jeune fille. Je ne sais plus quelle nationalité elle est, mais c'est une jeune prodige qui a été très remarquée, mais elle a la spécificité de composer que comme à l'époque classique, tu vois, comme du Mozart, quoi. Elle est très, très bonne improvisatrice. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, elle n'écrit pas du tout comme,
comme aujourd'hui ou quoi. Enfin, elle s'inspire vraiment d'un siècle particulier, d'une époque particulière pour se transcender, exister à travers cette époque-là. Alors, bon, peut-être qu'elle va évoluer autrement, mais pour l'instant, elle est comme ça, donc c'est intéressant. T'as quelqu'un comme Jordi Savall aussi qui va composer à la baroque et c'est... Mais je me vois mal, moi, tu vois, dire qu'il faudrait revenir avec des perruques ou... Non, mais c'est sûr. Ou, ouais. Voilà. Par contre, je comprends tout à fait qu'on soit fasciné par des moments dans l'histoire, que ce soit des moments d'études pour... je pense qu'il y a un certain lien entre la musique baroque et une certaine écriture contemporaine. Je pense que à un certain âge, le romantisme se confond avec le romanesque. Par conséquent, on se prend un peu pour le Chopin du Nouveau Monde. Voilà. Heureusement, je crois que Chopin, c'était quand même beaucoup plus complexe que la mèche. Que c'est ça. La grande, voilà. C'est ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans cette jeune fille, c'est qu'elle n'utilise pas que cette manière d'écrire parce que c'est joli, parce que c'est esthétique, etc. Mais c'est vraiment parce que, encore une fois, elle se transcende via ce mode d'écriture. Elle est vraiment, elle se retrouve là-dedans en tant qu'individu. C'est tout à fait formidable. Je ne connais pas son travail, je ne peux pas, oui, pas émettre d'avis. Mais voilà. Ouais. Voilà. Totalement. Voilà, et ça me tend la perche pour la suite parce que. C'est qu'est-ce qui va faire qu'une pièce, tu vas te dire en tant que compositeur ou même moi, parce que je compose un petit peu, à quel moment on va se dire que cette pièce, elle est bien parce qu'un jour, tu m'avais téléphoné et tu me disais, ouais, j'ai fait une pièce comme ça, bon, je la trouve pas mal, etc. Mais qu'est-ce qui fait que tu te dis, ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça je. Est-ce que. Alors, la première chose, c'est. Ce qui me permet de faire un choix, c'est d'avoir la sensation qu'il y a du mouvement. Tu vois, quand on joue, quand on chante, quand on la fabrique, voilà, ma sensation, c'est qu'il y a du mouvement. Après, que ça soit d'esthétique, accessible, pas accessible, ça me touche pas énormément. Mais il y a toujours effectivement une espèce de tension entre l'incompréhensible et la surprise, le miracle, qui est cette espèce de mouvement, cette mécanique. D'accord. Après, il y a des questions de volume, c'est-à-dire d'avoir la sensation qu'il y ait plusieurs choses qui se passent en même temps. Ça, c'est assez fascinant. Après, il y a d'autres... c'est quand même assez complexe comme dimension. Donc, il y a des ajustements d'éléments pour créer ce mouvement, pour créer ça, mais... Disons l'unité, là, finalement. De quoi ? L'unité musicale. Oui, il y a une certaine unité. Il y a une unité, mais dans un volume, dans une profondeur où, au lointain, on peut écouter une toute petite phrase. Voilà. Comment ça se passe techniquement ? Est-ce que, par quel outil de transposition ? Ça me paraît intéressant. Et comme je travaille quand même un peu pour l'orgue, l'orgue, il est souvent perché là-haut, comme ça, au loin... On ne sait pas tout à fait quand il commence, tellement quand il finit aussi. Mais comment on fait comment on crée des circonstances pour que les gens soient ensemble? Ils se disent, tiens, il y a un mouvement, on est précis parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est ce qui me permet de faire un choix. Et en général, je pose la question quand même aux interprètes de savoir ce qu'ils en pensent. Non pas pour servir une espèce de reconnaissance, ce n'est pas le sujet, mais... Ouais. Pour, disons, savoir si ils ont pris physiquement une dose d'action, où ils se sont dit, tiens, on a fait quelque chose, il s'est passé, on a été ensemble, on a été juste, et pas juste parce qu'on a commencé ensemble, mais juste parce qu'on était dans le langage, dans une propulsion dans le langage. Et ça, c'est ce qui permet de faire un choix. Parce que... je trouve qu'avec tout le travail qu'il y a d'une certaine façon avec l'ordinateur, avec la musique dite contemporaine et tout ça, il y a beaucoup d'incompréhension et très peu de prise physique. Tu vois,
Et ça pour moi, c'est difficile de faire un choix avec ça. C'est pour ça que l'ordinateur, je travaille pas avec ça parce que j'ai pas un accès physique au son. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Voilà. Même intérieur, finalement, on entend beaucoup plus les choses sur le papier, intérieurement, que sur un ordinateur qui te Peut-être met aussi. intérieurement, mais c'est un intérieur aussi, quand on bat un peu la mesure, on sent bien cet appui, le bras est en conflit avec l'œil, avec voilà, l'écoute intérieure, c'est aussi les yeux, c'est les mains, c'est le chant, c'est le piano, c'est tout ça. Et la solution, elle est souvent au loin, on la perçoit comme un lointain, et pas comme quelque chose qui vous saute aux yeux comme ça. La solution, elle est technique quelque part. C'est parce qu'on fait beaucoup de solfège que, hein, on accède à telle sensation, on se dit, bah tiens, dans l'espace sonore, ça pourrait être ça. Et puis après, les interprètes se saisissent du matériel, ça fait un peu différemment. En tout cas, il y a un partage différent, mais voilà, ça c'est pour moi là, au sens vraiment personnel. Qu'est-ce que ça voudrait dire faire un choix en musique? Donc de façon ça c'est une question qui est plus mystérieuse. Mais un choix, c'est, je pense, quand même déjà la somme d'un certain nombre de choses que l'on ne peut pas faire. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des limites. Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose, un cadre préexistant pour pouvoir se mettre à l'intérieur, ce qui est une possibilité, mais il y a aussi, donc qui ressemble, tu vois, quand tu posais la question par rapport à l'époque baroque et tout ça, on retrouve un peu les formes qui seraient des éléments extérieurs comme la forme sonate, où on te dit, bon ben, comment tu la mets à mal? Et puis il y a autrement, dans l'autre sens, où c'est le matériau lui-même qui produit en même temps en même temps il bouge, et en même temps donc il crée une forme. Voilà. Ouais, d'accord. Donc voilà, et je pense que voilà, dans ce mélange de choses, de préexistants et de production, eh bien il y a un partage qui doit pouvoir Oui, se faire. dont le rôle de l'interprète aussi, avec le rôle du compositeur. C'est Ben, cette symbiose qui doit être. c'est un rapport de lutte quoi, Ouais, entre la mémoire et ce qu'on peut en faire. Peut-être qu'on se retrouvait avant aussi cette espèce de. Le compositeur fait son papier à côté et t'as l'interprète qui fait presque une recréation de l'œuvre aussi. On entendait des enregistrements autrefois, c'était presque des recréations, tellement on se permettait des libertés d'interprétation, sur certaines œuvres. Ben, en fait, je crois que il n'y a interprétation que s'il y a réinvention de l'œuvre. Et Qu'est-ce que tu j'ai appelles même envie. réinvention? Comment? Qu'est-ce que tu appelles réinvention? Eh bien, quand on écoute une version du Sacre du Printemps de Pierre Boulez et une autre de Pekka Salonen, eh bien, la question, c'est pas la question du Sacre du Printemps, c'est la question de comment on approche cette œuvre et comment on est transformé par cette œuvre. C'est-à-dire comment on utilise l'œuvre pour apprendre, au sens, voilà, apprendre sur ce qu'est l'humanité, sur ce qu'est Oui, étudier la pensée, je vois ce quoi. que tu veux dire. Donc, à Ouais. la fois, c'est par un engagement inventif que on peut se surprendre à des résultats très différents. Et tu vois, entre Pekka, je prends l'exemple de Pekka Salonen et de Pierre Boulez, Ouais. ce sont deux personnes que l'on respecte énormément, mais il n'y a pas de choix, tu vois, c'est pas parce qu'ils ont vendu plus de disques que l'un que l'autre, c'est parce que ça donne une information sur le monde très riche. C'est un BFM un peu profond. Totalement. Oui, bah c'est ça en fait. Tu as répondu déjà à ma question suivante, la réinvention et tout ça, j'en parlais déjà. Est-ce que tu penses que nous sommes entrés dans une ère dans laquelle les mythes sont tombés? Par exemple, les dieux Beethoven et les dieux Mozart, est-ce qu'aujourd'hui les compositeurs ne sont plus.
je dirais, ne seront plus reconnus comme... tu vois, je prends aussi l'exemple des chefs d'orchestre. Avant, il y avait le dieu Karajan, le dieu Furtwängler. Aujourd'hui, on est plus à se partager la tâche, entre guillemets, toujours avec autant de talent. Mais voilà, il n'y a plus cette... tu vois ce que je veux dire? Cette sacralisation d'une personne, comme il pouvait y avoir avant, au sujet de Bach, Mozart, etc. Bah déjà, je ne crois pas que le sacré se situe forcément non. Avec des individus. Ouais. Ça, enfin, en tout cas, je ne verrais pas construire un temple... Tu me diras, on fait des musées, mais... Oui. Je crois pas, ça n'a pas grand-chose de sacré. Il y a plusieurs sens dans ce mot. C'est peut-être pas le bon mot choisi, mais... Je pense qu'on vit aussi, tu sais, dans notre temps, alors que... je pense quand même que Mozart est quand même très... Mozart, Bach et tout ça sont des gens qui, si on les regarde correctement, sont des gens qui nous donnent encore beaucoup d'informations. Après, s'il faut faire des totems, des dieux et tout ça, moi, ce qui est compliqué, c'est que je ne crois pas en Dieu du tout. Donc, oui. Je crois en le sacré, je crois en des mystères et tout ça, mais cette idée, moi, de faire des écoles avec des dieux à l'intérieur, ça me... Pourtant, Mozart, Bach et Beethoven sont absolument omniprésents, que ce soit dans la programmation, que ce soit dans tout. Et c'est... Il y avait beaucoup aussi de bons compositeurs à leur époque. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a fait tomber les mythes, quoi? Je peux pas répondre à ça. J'en sais rien parce que je parlais avec un journaliste de ce chef qui a fait comment s'appelle-t-il je suis désolé, je crois. Non, c'est pas grave. Mais c'était un chef qui me paraissait vraiment, vraiment, vraiment intéressant, vraiment. Qui avait interprété la musique, je crois que c'était La Passion selon Saint-Jean. Mmh. Mais c'était nouveau au point vraiment d'entendre La Passion selon Saint-Jean de façon très différente. Et donc il me disait, oh là, moi j'aime pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on doit jouer. Donc tu vois, je sais pas... Je sais pas si on joue Bach parce que il faut jouer Bach, ou est-ce qu'on joue Bach parce que c'est tout à fait merveilleux. Ça dépend un peu, je pense. Tu vois, quand c'est Glenn Gould qui joue Bach, c'est pas pareil que quand c'est. Bien sûr. C'est pour se dire bon bah voilà, si je joue la toccata en ré mineur, bah au moins comme ça j'aurai du monde. C'est pas du tout la même démarche. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très présent. Oui. C'est comme. Ça. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de... tu vois, c'est comme les masterclass et tout ça, on se dit toujours, oh là là, les maîtres, ils connaissent un répertoire d'œuvres, c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est vrai. Donc ils te jouent comme ça, par cœur, mais c'est toujours les mêmes œuvres. Non, mais c'est ça. Alors bon, c'est fascinant comme ça, mais... Et on est dans une ère de redécouverte aussi, c'est pour ça. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de... En tout cas, on essaye, hein. c'est pas encore gagné, mais il y a... Arnoncourt, le chef dont je te parlais, c'était Arnoncourt, que j'ai trouvé vraiment tout à fait... épatant. C'est vraiment un chef qui m'a bouleversé dans son approche de la musique, comme Celibidache. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que je trouve que ils ont une, bon, Celibidache plus que Arnoncourt, mais une posture où, disons, il permet à ce que l'interprète ne soit pas considéré comme un exécutant, mais comme un interprète, c'est-à-dire qu'il soit mis dans une précision, une forme de pensée de l'œuvre, et que dans cette pensée-là, eh bien, il puisse construire une... Il a une place pour faire quelque chose. Ouais. Retarder, accélérer, un peu plus haut, un peu plus bas. Il a la possibilité de faire quelque chose. Alors que, quand on parlait avant des trucs habituels, des programmations, il y a les quatre saisons du Vivaldi, le Requiem de Mozart, mais tu sais, t'as l'impression d'être au supermarché, t'as les produits bio, les produits pas bio, un peu moins bio, les trucs pas chers. Bon, eh bien, voilà, c'est... donc ça, je m'en fous, là. Moi, tout le côté... voilà, tout ce côté-là, ça m'intéresse pas, et c'est pour ça que je vais à très peu de concerts. Mais quand tu vois des gens comme Arnoncourt, des gens comme Celibidache qui te parle de colonne d'air, tu vois, de...
pour et dans cette colonne, eh bien, ce sont des individus qui la produisent, eh bien, là, je crois qu'ils permettent à ce que l'interprète ne soit pas un exécutant, c'est-à-dire un produit exécuté par le commerce, mais quelqu'un qui fait de la musique. Mmh. Voilà. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Et donc, ouais, tu as répondu déjà à pas mal de questions. Bah, évidemment, il y avait une citation de Kant au sujet du génie artistique, mais là, on va partir aussi dans une autre définition de ce que c'est que le génie. Est-ce que finalement, c'est pas se trouver en tant que compositeur, tu vois, dans une démarche de création? Enfin, moi, pour moi, c'est ça, c'est surtout non pas se mettre en avant, mais trouver son identité, autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, et l'apporter en tant que compliment de l'humanité. Et tu vois, c'est moi, je vois ça comme une pierre à l'édifice, plus que comme quelque chose qui je vais me montrer moi et comment. De toute manière, la question, c'est comment on pourrait échapper à une personnalité, en fait, c'est surtout ça. Mmh. On a quand même tous, on est tous avec des pieds, des mains, une tête, oui, et tout ça, ouais. Mais chacun marche différemment. Mmh. Voilà, c'est surtout la question, c'est pas comment avoir une personnalité, c'est comment échapper à sa personnalité, surtout, c'est-à-dire comment produire quelque chose où on ne parle pas de soi, mais on fait quelque chose qui soit... pour le bien commun, pas comme messager, tu vois, bien pas, sûr, ouais. mais un peu aussi, un peu stalker, quoi, un peu emmener dans un autre monde, un peu être quelque part un messager pour aller voir ce qu'il y a derrière le monde. Mais ça, c'est pour emmener un groupe d'individus, pour emmener un groupe d'individus qui soit vaste ou pas. La question, c'est pas soi-même. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on y va tous et où on n'a pas le choix, en fait. Tellement c'est merveilleux, c'est somptueux. C'est quand j'ai rencontré mon professeur principal Hervé Legrand, j'ai été foudroyé par son œuvre. Et c'était pas l'œuvre au sens d'un morceau précis. Mais l'œuvre générale, le penseur que c'est, et il y a quelques œuvres particulières où j'ai une proximité plus particulière, mais c'est un homme qui m'a autorisé à penser qu'il y avait quelque chose derrière le monde. Donc après, tu vois, j'ai étudié un peu des gens qui descendent un peu de tout, tu vois, dont Chris Marker, donc... Andrei Tarkovski, donc c'est pour ça que je parlais de Stalker et tout ça, ou Gilles Deleuze, ou tu vois, quand par exemple Gilles Deleuze parle de mille plateaux, ben, on les voit dans la musique, on en voit des couches, des strates comme ça. Mais comment tout ça fonctionne, comment on passe d'un plateau à un autre, et on voyait, on se dirait, mais faut les voir en son pour qu'on les pratique. Ben, on n'a pas le choix d'y aller, en fait. C'est des étoiles désireuses. On a envie d'y aller. Ouais, tout à fait. Voilà. Et. Voilà. D'où l'importance de ce que tu disais, le physique et donc le présentiel. Bon, c'est une petite période là, on parle que de ça, mais c'est bien, ça permet un peu de se masquer, de voir le pétillant des yeux des gens. Là, on voit plus que ça. Bah, oui. Mais il y a des regards, des échanges de regards touchants, marquants. Est-ce que être compositeur, c'est être un recréateur de la musique? Un recréateur, je sais pas, mais un transformateur. D'une certaine façon, c'est transformer ce que l'on a reçu. Ce qui semble intéressant, c'est de savoir pourquoi ça se transforme. Parce qu'on voit quand même chez des individus, tout le monde reçoit à peu près quand même la même chose. La question, c'est comment on le reçoit ou comment ça fait écho chez certains et pas chez d'autres. Et me semble-t-il, ce qui fait quand même une différence importante, c'est l'engagement. C'est la capacité de vouloir faire profondément avec le monde tout en étant radicalement opposé
à son fonctionnement. Quand tu dis ce qu'on peut faire avec ce qu'on a reçu, c'est en termes d'éducation musicale ou en termes d'influence? Parce qu'il y a ces deux choses qui ne sont pas pareilles. Tout. En termes d'éducation, je dirais l'éducation musicale, c'est une méthode. Moi, j'ai été formé par, et je continue à l'être, par le compositeur Hervé Legrand, qui est un penseur engagé dans la musique, et qui, disons, ce qui fait œuvre dans le rapport que l'on peut avoir, c'est sa capacité à produire le doute. C'est-à-dire le désir que c'est possible autrement, et à la fois de faire avec. Voilà. Tu peux préciser? Eh bien, tu vois, par exemple... Ouais, donne-moi un exemple. Si quelqu'un est autorisé à... Il y a quand même une convention qui dit que pour faire bien, c'est faire ça. Les choses sont très binaires quand même. Le bien, c'est ça. Le mal, c'est ça. Ça, c'est juste. Ça, c'est faux. Ça, c'est reconnu. Ça, c'est pas reconnu. Ça, c'est subventionné. Ça, c'est pas subventionné. Pour des raisons qui sont bien souvent des... Il n'y a pas de gens de mauvaise intention. Il n'y a que des gens, je crois, qui ne savent pas. Qui ne savent pas... et donc qui ne s'autorisent pas. Par exemple, se dire dans la musique, quand on dit musique contemporaine, je mets, disons, tu vois, le truc, on se dit musique, on ne comprend rien, où il y a 40 000 ordinateurs, où tout le monde est un peu largué, mais ça fait bien. Même si c'est pas une... C'est une critique, mais... voilà. Eh bien, si on disait, mais vous savez, dans ce style-là, on peut faire intervenir l'idée thématique, le fait qu'on puisse retenir quelque chose... Et que ça soit dit avec une force suffisante pour convaincre, eh bien, je pense que de tous leurs trucs d'ordinateur et tout ça, plus l'idée thématique, eh bien, ça donnerait complètement autre chose. Ça transformerait tout à fait le paysage. Ouais. Voilà. C'est finalement un petit peu comme la poésie, c'est dire des choses sans vraiment le dire. Non, en fait, c'est les dire de façon à ce que ça soit ouvert. C'est-à-dire ne pas parler de soi, mais d'être le messager de que l'on peut faire autrement, que l'on peut aller plus loin. Donc ouvert notamment aux auditeurs. Aux auditeurs, mais les auditeurs, les premiers auditeurs, c'est nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose, tu l'écoutes. Puis quand tu écris quelque chose pour quelqu'un, bah, tu vas écouter ce qu'il fait, tu sais qu'il va écouter, puis après il y a l'auditeur, mais sans cesse, il y a une circulation entre agir et écouter. Quand tu es au concert en tant que spectateur, tu n'es pas qu'un témoin qui ne fait que recevoir. Tu donnes au fait d'écouter de façon volontaire. Si tu vas pour écouter et aller au restaurant après, bon, c'est un divertissement, c'est de la culture. Ouais, ouais. Alors que ce dont on essaye de parler, c'est pas de la culture, c'est de l'art. C'est-à-dire s'informer sur les outils disponibles pour continuer à progresser. Et comme on peut se fatiguer facilement, ou comme il faut une vitalité importante pour continuer à avoir envie d'apprendre, l'avantage des choses nouvelles, que ça soit nouveau dans l'interprétation, nouveau dans l'analyse, nouveau dans la composition, c'est que ça donne une vitalité, une fraîcheur de l'écoute qui permet de vouloir apprendre plus. Après, évidemment, ça serait un peu naïf que de se dire que on est dans une véritable démocratie qui nous autorise à faire ce qu'on veut, à apprendre et tout ça. C'est pas parce que on a accès physiquement que l'on a accès artistiquement. Donc la méthode est vachement importante, très 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 importante. Ça c'est pour répondre à la première partie de la question. Après, la deuxième partie qui est la question de l'influence, c'est sûr que le milieu compte. Le milieu
quand, familial, le milieu, familial, le milieu social, le milieu professionnel, les œuvres qu'on a croisées, les voyages qu'on a faits, c'est sûr que ça ouvre, quoi. Mmh. Ça, c'est très important. On entend des gens qui ont écouté la musique de Messiaen et d'autres qui ne l'ont pas fait. Enfin, alors voilà, la culture est là pour mettre à disposition, mais encore une fois, c'est la question de la méthode pour accéder à cette culture qui est importante pour donner éventuellement l'accès à l'art, c'est-à-dire à la possibilité de mettre en perspective les éléments pour qu'un sens se dégage. Mmh, mmh. Et est-ce que l'expérience de l'enregistrement fait partie de ces influences qu'on pourrait avoir, qui peuvent nous inspirer? C'est un outil, l'enregistrement. Mmh. C'est un outil et c'est une pratique à laquelle il est difficile d'échapper. Mmh. Ouais, surtout, certains de nos professeurs, quand je dis professeurs, ce n'est pas forcément au sens qu'on les a eus en classe comme ça, mais... on fait le choix d'arrêter d'enregistrer ou ne faire que enregistrer et plus faire de concert. Mmh, mmh. Il y a des raisons profondes pour ça. C'est pas et en tout cas en ce qui me concerne en tant que chambriste, il me semble obligatoire d'enregistrer pour faire une espèce de photographie en mouvement. C'est un voilà comme une photo de douaneau, voilà, pof, on regarde où en est l'œuvre, est-ce qu'il y a un angle et tout ça pour avoir un peu de recul. Aussi, c'est un outil de travail. De toute manière, oui, ce n'est qu'un outil de travail. C'est un outil de travail. Après, on sait bien que l'enregistrement, à partir du moment où on enregistre quelque chose, il y a la précision que l'on amène devant les micros, et puis ensuite, il y a le pouvoir des micros à rendre séducteur, commercial, accessible, le produit que l'on amène. Alors, il faut jouer de ça. Et c'est là où il y a une technique, quand même. Ouais. L'enregistrement, ouais. C'est une pratique particulière parce que il faut, si on séduit à l'enregistrement, les micros séduisent encore plus, ça fait de la crème chantilly avec encore plus de chantilly. Mmh. Donc, c'est un peu indigeste. Et puis, les méthodes d'enregistrement ont beaucoup évolué parce que la technique aussi a évolué. Oui, oui, bien sûr. Quand tu entends un enregistrement d'Oistrakh, le micro est à 3 cm de son vivant, tu as l'impression qu'il a un son énormissime, ce qui était vrai d'ailleurs, mais on a une perception aussi qui est faussée par rapport à certaines méthodes d'enregistrement. Peut-être que c'est faussé, je dirais que c'est autrement, en tout cas c'est intéressant parce que quand on arrive à un certain moment de la construction d'un ouvrage d'interprétation, là, donc vraiment d'interprétation, on a... on a le concert pour pouvoir présenter les choses, on a l'enregistrement qui est un autre angle. Donc ça permet sur ce même objet de se déplacer par rapport à lui. Ouais. Donc ça met la posture physique de l'interprète à mal, quoi. Et c'est un engagement physique, ouais. Intellectuel, politique, physique. Et on pourrait terminer sur la question de l'originalité. Est-ce que c'est une composante importante pour être reconnu? Est-ce que c'est le public aussi qui fait la reconnaissance? Je pense que l'originalité, elle est obligatoire au sens inventif pour pouvoir, disons, mettre... les objets que l'on reçoit, qui sont souvent plats, pour les remettre en volume et se déplacer, pour qu'on voit une chaîne de signification et qu'il y ait cette profondeur qui permette aux gens d'être touchés, parce qu'ils en voient un sens qui ne va pas s'épuiser tout de suite. C'est interpellé, en fait. Ouais, mais c'est interpellé en respectant beaucoup les gens. C'est pas interpellé pour choquer, pour faire le buzz. Oui, bien sûr. C'est dans l'autre sens. Oui. C'est interpellé dans le sens où, tiens, on n'a jamais entendu ça. Oui, ou on l'a jamais entendu comme ça. On l'a jamais entendu comme ça. Ça peut être. Je crois que l'idée de rompre avec l'idée mélodique, de rompre avec l'harmonie tonale, ça me paraît déjà fait. Et en plus, ça me paraît pas possible.
Tu vas par contre de construire des mélanges dans des proportions différentes de ce qui ont été faits pour être surpris par le matériau musical, ben, ça me paraît intéressant. Mmh. Mais carrément. En fait, je pense que plus on disparaît, mieux c'est. Plus on disparaît derrière le texte, mieux c'est. C'est pour ça que, tu vois, là, les circonstances que l'on a d'être filmé et tout ça, bon, parce que je suis poli et tout ça, je t'ai dit oui, parce que, et puis il faut essayer de dire quelque chose, il faut essayer, on peut pas dire, bon, ben, on peut pas critiquer et dire, chaque fois qu'on vous donne la parole, vous fuyez. Mais j'avoue qu'idéalement, c'est une faiblesse de devoir faire ça, de devoir parler, parce que le mieux quand même, c'est que ça soit le contenu qui appelle à l'action et pas la parole qui a un caractère un peu séducteur, un peu facile, surtout quand même en ce moment où ça parle tout le temps, ça discutaille tout le temps. Et comment échapper à ça? Et je suis sûr que on n'y a pas échappé, même dans cet entretien aussi bref qu'il soit, même si la volonté c'est de faire un peu mieux quand même, que je suis pas sûr qu'on y arrive. Comme quoi, toutes les questions que tu m'as posées, qui me semble-t-il avaient cette intention de se dire, mais peut-être que tu as trouvé une solution, je te réponds non, parce qu'on voit bien le résultat. Et on le verra, je pense. Si on y arrivait un tout petit peu, ben c'est déjà énorme. Et je suis pas sûr qu'on y soit arrivé. Oui, après, qu'est-ce que ça veut dire y arriver aussi? C'est, tu vois, c'est peut-être, ça va se faire dans le temps, c'est pas forcément, de toute façon... Y arriver, ça veut dire que on dit plus que le temps qu'on prend. Tu vois, il y a pas mal d'œuvres musicales qui durent très longtemps. Et à part créer des problèmes de dos, voilà. Moi, je préfère que ça soit beaucoup plus court et inventif. Ouais, et ouais, emballant, quoi, exactement, ouais, enfin, transcendant. Le contenu. Ouais, le contenu, mais le contenu, parce que c'est le contenu, parce que c'est. Il y a un peu que ça à faire, quoi. Ah oui, bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup de cette discussion. Et merci à toi, Frédéric, de nous avoir invités.